savait très bien que nous vivons une crise politique grave, inhérente justement à la volonté obstinée du CNDD-FDD de mettre au rencard l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution qui en est issue. Donc si cette commission est mise en place dans cette conjoncture, vous comprenez très bien qu'elle aura pour mission de proposer d'amender toutes les dispositions qui donnent de la place à l'accord d'Arusha dans cette constitution. Et cela a tout un corollaire de malheur. Je vais vous citer quelques-uns. L'accord d'Arusha consacrait le principe de la démocratie consensualiste. Et c'est cela que Pierre Nkurunziza et son parti veulent casser. L'accord d'Arusha consacrait la parité numérique des ethnies majoritaires, au sein des corps de défense et de sécurité. Et c'est ça que Pierre Nkurunziza et son parti veulent casser. Et pourtant, les signataires de l'accord d'Arusha avaient motivé cela pour la plus grande raison d'éviter le retour des génocides dans ce pays. Et finalement, si Pierre Nkurunziza et son parti veulent accélérer sur ce terrain-là, on a droit de penser qu'il prépare un génocide à grande échelle. L'autre aspect important, c'est que, à travers ces différents textes, je parle de l'accord d'Arusha et de la Constitution, il avait été convenu un certain nombre de quorums, de votes des lois, de majorité de prise de décision et de vote de loi pour que justement certains aspects qui présentent une importance capitale sur la réconciliation des Burundais, sur la sécurité des Burundais, ne soient pas changés sur l'initiative d'un parti fut-il majoritaire au pouvoir, fut-il légitime ou légal au pouvoir. On avait conçu des quorums qui nécessitent une forme de consensus des acteurs politiques d'une façon ou d'une autre. Et tout cela va être remis en cause. Bref, vous comprenez qu'on va tout droit au mur. L'insécurité, le génocide, l'exclusion totale de ceux qui appartiennent à la minorité ethnique et aussi à ceux qui appartiennent aux minorités politiques.